Welcome in England. C'est la ville de Leeds, dans le Yorkshire, qui accueillera le départ de cette 101e édition du Tour de France. Pas de prologue, mais trois étapes avec une arrivée à Londres. À noter, puisqu'on débute le 5 juillet, la première semaine de course chevauchera la dernière semaine de la Coupe du Monde. On entre en France par le nord, plus une incursion en Belgique pour visiter Ypres. Comme en 2010, on retrouvera donc les célèbres pavés du nord, dont certains tronçons réputés de Paris-Roubaix, notamment Wallers-Arambert. Attention, en début d'épreuve, il faudra surtout éviter les chutes. Plein Est ensuite, l'occasion de visiter quelques hauts lieux de la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, dont on commémorera le centenaire. Première grande caractéristique de ce Tour 2014, l'importance accordée aux Vosges, des cols à 15 voire 20%. Trois étapes difficiles donc, avec en point d'orgue la fameuse planche des Belles Filles, où Christopher Froome s'était révélé en 2012 aux côtés de son leader Bradley Wiggins. Des Vosges sélectives afin que les prétendants à la victoire finale ne puissent pas attendre les étapes de haute montagne pour se montrer. A l'inverse, les Alpes seront peut-être moins déterminantes. Deux étapes seulement y sont prévues, mais deux nouvelles arrivées en altitude, Champs-Rousses et Risoul. En troisième semaine, les Pyrénées auront la part belle, un menu corsé avec, en trois jours, huit ascensions difficiles, dont la très redoutable arrivée à Hautacam. À la sortie des Pyrénées, le nom du successeur de Christopher Froome devrait être connu. Un seul contre-la-montre est au programme de la Grande Boucle, 54 km de Bergerac à Périgueux. 27 juillet enfin, arrivée sur les Champs-Élysées, deux jours cette fois-ci et non plus de nuit.